Good morning, La France. This is Commander News on Europe 1. Avec ce matin, Parfum de Liège, c'est les deux finalistes à l'élection du premier secrétaire du PS. Hier, dès 17h, les 3200 sections du Parti Socialiste ont accueilli les militants venus voter pour les deux finalistes à l'élection du premier secrétaire du parti. Nous filons tout de suite au domicile d'Olivier Faure, candidat qui serait en tête des suffrages, avec Stéphane Le Foll. Allô, je suis bien chez Olivier Faure ? Oui. C'est Europe 1. C'est pour l'Europe Stop ? Les enveloppes ? Non, c'est pas l'Europe Stop. On souhaitait recueillir votre réaction. Sur ? Sur votre place de finaliste à l'élection du premier secrétaire du PS. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Oh, c'est pas vrai, j'avais oublié. Ah oui, je me suis inscrit par Internet début janvier, mais c'était pour déconner. Tu finis tes céréales ? Excusez-moi, je suis avec les gamins. Pardon, mais je suis en finale. Finale ? Mais oui, les résultats définitifs tombent à midi d'ailleurs, vous verrez. Quelle merde. Véro, assieds-toi, ma chérie. Je suis en finale de la primaire au PS, là. C'est pas vrai. Mais t'as pas fini de faire le con ? De faire des bières pong, là, en terrasse, de rentrer bourré, de te cogner dans les meubles. J'ai compris, t'as perdu à ton jeu de merde, là, et puis le gage, c'était de se présenter au PS. Oui. Mais t'as 50 ans, Olivier, merde, hein. Tu le dis aux gamins. Allez, vas-y. Les enfants, papa a fait le con un soir bourré, et du coup, il risque de devenir premier secrétaire du PS. Oh là là, vous voulez peut-être qu'on vous laisse en famille, Olivier, hein ? Non, ça va aller. Ce serait qui face à moi ? Stéphane Le Foll. Oh putain, j'ai gagné. J'ai ma gamine de 4 ans à côté de moi. On va prendre tes feutres de couleur, ma chérie, on va écrire un programme. Hein. Bon, vous me laissez la bonne journée. D'accord. Jérôme Commandeur, chaque matin sur Europe 1, à lundi, Jérôme.